Et Nutanut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Alphoris, petit gamer manchot à votre service, bienvenue sur l'épisode 49 de Persona 5 Strikers. On est parti pour un tour, on continue, on reprend exactement là où c'est laissé, j'ai juste fait quelques petits achats, et j'ai un nouveau Persona, la roue de la fortune, vous savez, la nana qu'on a vue avec le... Voilà, bah elle, c'est tout. Ça paraît pas grand chose déjà, mais c'est déjà pas mal en vrai. Voilà, il y a un cadeau ici, ça c'est cool, un petit collier à clochette. Ok, je vais juste aller jusqu'au fond pour voir ce qu'on a. Ah! C'est trop haut, par contre il y a un coffre en haut, on l'a vu. Il faut absolument qu'on passe par là. Ça sent le mini-boss encore ça. Oh oui! Ça sentait le mini-boss. On va reprendre Ganesh. Voilà, nice. Suivant. Allez, allez mon petit. Tu pouvais me le prendre en... Voilà, merci. Allez, crève donc! Voilà, merci! Ah, ils ont mis 15 ans. Un bouton vert, nice! Donc maintenant on va pouvoir ouvrir le vert. Par contre, je suis très curieux de savoir. Alors ici il n'y aura rien. Ok, là-bas non. Donc maintenant on peut aller directement sur le vert. Qui est juste à côté. Ok, là pour l'instant il n'y a rien, mais ça me paraît bizarre. Là il y a du jaune, mais on peut pas encore l'ouvrir. Ça me paraît bien vide. C'est chelou. Et on nous permet de monter, ce qui est bizarre aussi. Ah ah! Le bouton jaune! Ah ah ah! Je le savais. Donc on peut ouvrir les portes jaunes. Donc il nous reste vraiment plus que les blanches en fait. Hein. Donc ça va, pour l'instant ça va vite malgré tout. J'ai eu peur au début, mais en vrai... Oh putain. Ah non, ça va, c'est du... ça va. Alors là on va reprendre Vase Noir, si j'arrive à la voir, voilà merci. Salut toi! Ça faut vraiment cibler les ennemis parce que sinon on voit rien. Bon, j'avais oublié, mais ça fait mal. Hein. Ok, donc par là. Ah, et on revient ici. Oh putain, il y a un hack. Ah, mais ça rouvre les portes ici. Ok. Oh putain, quel enfer. Alors, il faut absolument que je passe par là. Attendez. Par ici, il y a un coffre. On va le prendre. Matarukaja, tiens, une carte, c'est pas mal. Et il y avait les portes en or aussi. C'est pour ça que je reviens en arrière, là. Parce qu'il y avait les portes en or qui étaient fermées.
et que j'aimerais bien ouvrir par là pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Un trésor. Ah bah oui, c'est le trésor de tout à l'heure. Nice. Chaîne de perles, ok. Des PV en plus. Et ben voilà, on a pratiquement tout ouvert. Alors évidemment, faudrait qu'on repasse par en haut pour ouvrir certaines portes. Mais c'est pas trop mal. Notamment, vous voyez là, maintenant j'ai deux traits jaunes sur la map. Les traits jaunes, c'est ce que je peux ouvrir du coup. Ah parfait. Ok, et ben allons-y. On va devoir faire un hack. Again. Donc on va perdre des points de vie, je vous le dis. C'est sûr et certain. Parce que je vais tout faire pour qu'on avance. Et surtout pour que Futaba ne se fasse pas encore dépecer sec. Allez, c'est parti! Piratage! Again! Voilà, là on va s'occuper du pépère. Non, c'était pas ça que je voulais. Non plus. Si on pouvait essayer de ne pas perdre. Voilà, pour rien nos trucs. Nos PC, ce serait pas trop mal. Quel enfoiré! Ah la vache, il y a du monde, hein. Et puis alors en plus ils arrivent en mode c'est la fin du monde. Il y en a un qui est passé. Non, c'est bon pour niveau vie, on est bon. Vous savez quoi, là on va faire le coup spécial histoire de. Je vais me le garder pour plus tard, mais on va. On va pas le garder pour plus tard. Là, je crois qu'on est pas trop mal, hein. Ah, voilà. Ah bah c'est bon, elle m'a soigné. Je sais pas où elle en est, mais pour l'instant, on est pas trop mal. Elle se fait pas attaquer, donc on est bien. Ok, il est temps de repasser sur vase noire. C'est pas ça que je voulais, merci. On est bon ? On est bon. Ça marche bien. Restez au fond, on vous a dit. Voilà, on est bon. C'est comme ça qu'il faut faire les hacks maintenant. Ça marche juste trop trop bien. C'est abusé. C'est juste abusé. Du coup, c'était où? C'était là. Voilà, donc un petit soin, donc vous savez ce qu'on va faire, évidemment. Si on peut économiser les objets. On va économiser les objets. Le plus possible.
On est bien. Franchement, on est bien. Ils ont pratiquement pas approché de Futaba. Je pense qu'on a une bonne technique. Alors, est-ce qu'elle va durer longtemps? C'est la question. Mais en tout cas, on a une bonne technique, ça c'est sûr. Ça marche bien. Hop, on va regarder pour la chambre de velours. La Velvet Room, non, il n'y a rien de nouveau. Ok, merci. Donc vous savez ce qu'on va faire, on va acheter des objets. Of course. Plus on en a, mieux c'est. Des bandages, machin, tout ça. D'accord, il n'y en a pas de nouveau pour l'instant. Ok, bah... Osaka. Juste m'ouvrir un petit peu le ventilo, là, parce que c'est plus possible. Jusque-là, il faisait bon, et là, d'un coup... Ah, c'est la première fois que vous voyez en vidéo me voir galérer avec mon siège. Faut que je change de siège. C'est une horreur. Ah, que coucou, mon le bono, comment ça va? Bon, du coup, blablabla, boum. Merci. Retournons-y. C'était une petite porte rouge. Salut. Donc ça, on a compris tout de suite que ça allait être un gros ennemi. Hein. C'est pour ça aussi que je me suis mis comme as. Ouais, bah c'est bien. Donc du coup, ça va être quel ennemi qu'on rigole? Ou pas? Oh putain. Oh putain. Alors, ça va être parti. Matala Kuja. Oh putain, ça commence direct. Non, c'était Sophia que je voulais. Voilà, et maintenant... C'est reparti! Il lui faut de la vie. Vous connaissez la tactique? Ah bah non, vous connaissez pas la tactique. Vous connaissez pas encore la technique. Mais la technique, c'est ça. Et si tu... Je te demande d'esquiver, tu peux esquiver, s'il te plaît? Voilà, donc la technique, c'est ça, maintenant. Ah putain, il a déjà plus de points de vie. Voilà, parce que ça, c'est le truc qui marche pas mal. Attendez, c'était Sophia que je voulais, parce qu'on va lui remettre Marakunda, voilà. Et on va reprendre Zenkinchi. Juste pour le principe. Oh putain, d'accord. D'accord, il est mort. Bah c'est pas grave. On va s'en occuper, nous, avec la bombe Raja. La bombe Vajra, pardon. Ah, il y résiste? Non! Comment ça se fait qu'il y résiste? Non! Qu'est-ce qui s'est fait comme... Bon, après, il faut faire du psy normalement, mais je crois pas avoir de psy là. Ah bah si, mais. Y'a pas grand chose. Hein. C'est ça, ça fait pas grand chose donc c'est pas la peine. On va continuer avec notre tactique. Ça continue à faire bien plus mal. Ah putain, quel con. Oh oh oh! Bon, je pense qu'on va faire renaître par contre, si c'est possible, avec les pilules de secours, le petit Zenkinchi. Voilà, on va lui donner un petit médicament histoire qu'il soit à fond.
Et on va reprendre Zenkinshi. Ah bah son général. Voilà. Donc en gros, retenez que les attaques au corps à corps sont ultra fortes. C'est ultra fort en fait, les magies de corps à corps, les techniques. C'est vraiment ultra fort à ce point là quoi, ça fait ultra mal. Donc ça passe tout seul. Et maintenant je vais pouvoir lire le bono. D'accord, du coup je passe à la boutique. Ah bah du coup bon courage. Et la boutique ouvre demain. Ah le voilà, le petit bouton blanc. Enfin. Alors du coup, ici il nous manquait quoi? Pas grand chose. Par contre il nous manque un bouton. Ah non mais non, ça doit être les gris. Du coup. Ok. Donc on peut déjà descendre pour se faire un ennemi, mais la flemme. Par contre, il faut qu'on remonte parce qu'il y a un... Donc pas ici, là. Pour commencer. On va reprendre base noire. Voilà. Et oui, c'est tout ça parce que il y a un coffre en haut. C'est bon? Ils sont où? Non, c'est bon, ils sont finis? Ok. Voilà, donc on peut ouvrir cette porte là aussi pour aller plus vite plus tard. Et on peut ouvrir cette porte là pour la suite. Bah écoute, ça va mon le bono. Ça va, ça va, on en a chié. YouTube le sait déjà, mais on en a chié. Sur la première partie là aujourd'hui, mais là ça commence à revenir tout doucement mais sûrement. Ok. Donc là maintenant on peut soit passer par là, soit passer par en haut, c'est la même chose. On va juste, vous le savez, aller sauvegarder avant de descendre parce que on sait jamais. Mais ouais, sinon ça va. Et la reprise au boulot fut dure et particulière. Rien n'est toujours rangé derrière, c'est le bordel. Enfin bref. Que j'ai la flemme, j'ai juste la flemme, la grosse flemme. Mais à un moment ce sera rangé, je vous jure. À un moment, un jour. J'ai toujours pas passé à la déchetterie non plus. La flemme. C'est abusé, hein. C'est vraiment très très abusé, j'avoue, mais ok, on a toujours rien de nouveau. Hop, du coup, là par contre, ils nous ont donné des trucs sympas, on y retourne. Pilule de secours. Oh, c'est quoi ça? Les girafes de la forêt adorent le guarana. Mais. Il n'y a pas que les girafes de la forêt, les girafes de la ville aussi. Elle était facile. Ah, il n'y en a qu'un seul, pardon, excuse-moi, j'ai cru qu'il y en avait plus. Voilà, on reprend, hop, des PC, et on est bon. Chambre de velours, au cas où. Aha ! Ajanaga ! Électrique. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? On va lui prendre un Mazianga déjà. Je pense que frappe et équerre c'est pas mal, mais tir fatal. Tir fatal c'est mieux. Et après la bonne question c'est. C'est que j'aime bien avoir un truc de soin. Voilà. Ok, c'est reparti. Et le voilà, l'homme serpent.
Eh ben, on va être pas mal. On commence à être pas mal, sans déconner. On commence à être pas mal, hein. On reprend enfin du poil de la bête. Je sais pas du tout depuis combien de temps je tourne. Ça m'étonnerait que ça fasse plus de 10 minutes, mais... c'est jamais. Je vais faire comme si. Allez, le jeu. Allez, le jeu. Voilà. La petite sauvegarde qui va bien. Ah bah oui, c'est vrai, on peut reprendre à celui-là, c'est encore plus rapide. J'aime bien. J'aime bien quand ça se passe mieux comme ça, vous voyez, parce que là, franchement, c'était chiant jusque-là, quoi. C'est juste chiant jusque-là. Cette caméra. Nope. Voilà, allez, boum! Non, mais y'a pas besoin, Ryu. T'inquiète pas, t'emmerde pas. Si on pouvait viser, merci. Voilà, et la suite est là. Petite récupération rapidos et zoom. Alors ça sent le boss direct, hein. Ouais. Alors du coup. Déjà, on va faire un truc, le lien. On va vraiment essayer de s'augmenter le plus possible. Voilà. Et deuxième chose, on va augmenter. On va prendre un tout petit PC, voilà, histoire d'être à fond. Parce qu'on va faire la même technique, hein, bien évidemment, vous en doutez. Oh, ça va en vrai, attendez. C'est juste des. Attends. C'est juste des boss, entre guillemets. Y'a pas de nom particulier? Genre vraiment? Allez, bam. Ah, c'est ça, mis à part... Allez, c'est l'heure du showtime, parce que le showtime, ça va aider. Faut que je m'achète ce masque. Parce que maintenant, je sais ce que je vais faire là. J'ai plusieurs masques derrière et je vais les utiliser à bon escient. Allez, bam! Allez! Putain, ils prennent rien, ça me saoule. Voilà, merci.
Attends, on peut faire mieux que ça. Il y a tellement de gens qui sont revenus. Allez, go! Putain, on en prend des showtime là, sans déconner. Ils ont toujours pas fini. Vous savez quoi, je pense qu'on va recommencer à faire la technique. Ça commence à bien faire. Parce que prendre le contrôle du donjon, je veux bien, mais... Encore faut-il pouvoir. Ça y est. Alléluia. Eh ben c'était plus facile que la dernière fois. Mégaton. Bah oui, à la place de Fante, ça pourrait être pas mal, Mégaton. Il y a un deuxième normalement. Hein. Non, c'est bon. Ok. Allez. Deuxième noyau. これは絵馬?絵馬はこの絵の力の源だ。コアになってても不思議はねえな。赤外線センサー消えたかな?オッケー、消えてる。これでセンサーの先に進めるな。先ほどの場所に戻ろう。ね、 Ouais, je veux bien les utiliser aussi, ça. Clairement. Tu veux bien? Allez, ouvre-moi tout ça. Oh, attends, il y avait un trésor caché, là. Voilà, merci. Une petite statue de chat doré. Et par là... Nous avons un coffre, quelque part, là. Et... Ne pas laisser de coffre non plus de côté. Bon, c'est de la vie. Mais c'est pas mal. Je dis pas non, là, actuellement. Ok. Donc, prochaine zone. Oh, ils sont gentils. Ils nous mettent directement en bas un petit spot de sauvegarde. C'est bien. Ils sont sympas. C'est surtout qu'on est revenu à l'endroit ici. Hein. Vous voyez? Où tout était fermé. Hop là. Eh ben écoutez, hop. On va sortir de la prison. Et c'est ici qu'on va arrêter la vidéo YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à la prochaine, on va continuer à avancer dans le donjon d'Osaka, dans le donjon de Konoe, dans le donjon de ce qui est censé être le grand méchant, mais j'ai un doute, je pense qu'il y aura autre chose derrière. Comme pour Persona 5 normal d'ailleurs, il y avait autre chose derrière, bah, je pense qu'il doit y avoir autre chose derrière. C'est pas possible autrement. Donc on va essayer... de régler tout ça, n'est-ce pas? Du coup, je vous fais des gros bisous YouTube, merci beaucoup d'être bienvenu encore une fois, pouce bleu, commentaire, vous connaissez les bails, Twitch, vous bougez pas, et YouTube, bah je vous dis à la prochaine. Bye bye.